Bah, souvent, à chaque fois que je viens, elle gagne. Ah, venez plus sûr, alors. Bon, ça va, vous faites une belle saison. J'aime bien aussi sur l'équipe de Brésil parce que je trouve qu'elle joue intelligemment, elle joue avec leurs moyens et à chaque fois, elles font des bonnes saisons. Donc, c'est sympa aussi à regarder. J'ai mis un terme à ma carrière. Non, ça y est, pour moi, c'est fini. Maintenant, je suis passée un peu de l'autre côté. Donc, je commente les matchs avec Beansport. Donc, je suis plus de l'autre côté du terrain et j'apprécie de regarder comment évolue le handball féminin. C'est aussi l'occasion de venir voir un petit peu en D2 comment ça se passe, le niveau de jeu. Je trouve, en regardant pas mal les matchs, que ça évolue, surtout, je veux dire, il y a des matchs très très plaisants. Au niveau de l'attaque, c'est de plus en plus physique, ça joue bien, c'est pas mal, j'aime bien, ça évolue dans le bon sens, je pense. Après, il faut que les moyens suivent pour qu'on puisse continuer à se structurer et surtout à pouvoir prétendre sur la scène européenne faire des résultats importants. Bah, oui et non, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué. Je pense à Mios cette année, qui a dû déposer le bilan, Fleury qui galère au niveau de d'avoir son propre terrain. Enfin, il y a encore du boulot, je pense. L'équipe de France, on attend encore mieux d'elle, j'espère, sur les prochaines compétitions. Parce que si jamais on rame encore pendant quelques années, après, les clubs de surfer sur la vague.